Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment ajouter le bloc auto-achèvement. Vous devez premièrement être en mode édition, donc cliquez sur la roue dentelée et cliquez sur activer le mode édition. Déplacez-vous complètement à gauche, en bas et cliquez sur ajouter un bloc. Ensuite, cherchez le bloc auto-achèvement qui est ici. Cliquez dessus. Le bloc va s'ajouter par défaut à la suite des blocs présents. Qui est ici. Vous pouvez déplacer le bloc avec la croix. Vous pouvez le configurer en cliquant sur Configurer le bloc auto-achievement. Vous pouvez changer l'emplacement du bloc. Comme par exemple, je pourrais le mettre moins 10 en premier. Il va être avec tous les blocs de moins 10. Donc, je vois qu'il est ici. Avec la croix, je peux le redéplacer encore plus haut. Donc, le bloc d'auto-achèvement, c'est lorsque l'étudiant a terminé son cours, il va venir cliquer sur le lien pour dire j'ai terminé. Dans ce cas-ci, moi, j'ai déjà terminé le cours, donc c'est pour ça qu'il est, vous avez déjà terminé le cours. Pour le supprimer, le bloc, vous cliquez sur la roue dentelée toujours et vous allez sur supprimer le bloc auto-achèvement. Vous cliquez sur oui et le bloc est supprimé.